Allez, on va essayer de faire un épisode propre. Bonsoir YouTube, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Comment vous dire que c'est la misère, hein, je vous le dis tout de suite. Et que nous sommes repartis du coup. Moi, je vais livrer mes tuyaux le temps que notre ami Patoche est parti avec le Kenworth. Parce que là, on a sorti les gros moyens. Donc, il va prendre le Kenworth avec l'attelage haut. Il va essayer d'aller chercher la remorque. Je lui ai mis les pneus boue avec les roues de secours, donc normalement il y a de quoi faire. Enfin, peut-être qu'il fasse le carburant sur le coin. Et si tu passes devant une station de réparation, remets-toi la réparation sur le toit au pire. Parce que je crois qu'il va t'en manquer un peu. Moi je vais aller livrer le gros tuyau ici là. Pour libérer la route pour qu'on puisse passer avec le. Avec le. La merde, la remorque qui va bien après. Voilà. Donc on va essayer ça. Du coup je prends pas le Western, je prends le Mac. On verra comment ça se passe. Si je vois que ça marche mal avec le Mac, eh ben, j'irai chercher le Western. Voilà, c'est pas une soirée très lucratif. On a dépensé 100 000 euros pour rien. Le Derry, là, le Derry, le Derry, il est à la maison. Le Derry, il est rentré, il est dans sa boîte. Quelqu'un a une date de sortie pour la phase finale de 10 pour tout le monde? Oui, c'est le 18. Le 18. 18 juillet, hein, bien sûr. Vous l'aurez le 18 juillet, voilà. Refais ton itinéraire. Bah, j'ai pas à me tromper, là, vraiment. Ah, je peux le refaire, ouais, mais... Normalement, si je me rappelle bien, c'est tu tournes à droite, là. Et après, c'est tu continues la route tout droit. Donc, ça devrait bien se passer. Toujours tout droit, et après, tu tournes à droite. Tu me diras si la boîte de vitesse, ça va mieux avec le Kenworth. Du coup, on a changé quelques modifs sur le Kenworth. Ouais, j'ai changé le... Changer la boîte de vitesse, changer les pneus, ça va que j'en avais un peu tout d'équipé. Ça n'est pas dégueulasse. Et le Max, si tu montes pas, je te jure sur ma tête que je vais chercher le Western, parce que là tu vas pas me dire que c'est lourd quoi. Bon, c'est un gros tuyau, d'accord, mais... Quand même, s'il te plaît quoi. Merci les gars, de rien, on nous l'a dit tout à l'heure, moi je le savais pas en entrée de live. Là, on vient de me le dire tout à l'heure, quoi. Donc, c'est pour ça. Je réitère l'information qui m'a été donnée tout à l'heure. Bon, lui, il va m'énerver. Là, j'ai pas le temps. J'ai pas le time pour m'énerver. Je le dis direct. Je vais pas me faire chier avec un camion qui veut pas avancer en trois essieux, là. Triple essieux, là. Le Mac, c'est une misère, quoi. Putain. Je vois pas en quoi il est bon, le Mac, en fait. En camion de maintenance, peut-être. Peut-être qu'en camion de maintenance, il est pas dégueulasse. Ouais, allez, hop. Hop, détachez la remorque. Toi, tu vas rester là. Toi, tu m'auras bien saoulé. La patience n'est plus là, je crois. Non, la patience n'est plus là, là. Là, ça y est, c'est fini. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Hop, tac. Va te faire foutre, toi. Hop, poubelle. Lui, il va partir poubelle. De toute façon, je vais pas le garder, le Mac. C'est con parce qu'il est super beau, mais je vais pas le garder. Putain, il y a plus de gasoil dans le Western. Mais c'est pas possible, là. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. L'Azov, il est là, lui. Oh, ça va, pour le Western, vu que tu m'as mis 72 litres. Ouais, ouais, bah, ouais, carrément. Changer de camion, Western. Faire le plein. Allez, on pompe. Non, l'autre sens. Là, voilà. 290. Hop, ça va bien se passer. La malle de réparation avec un peu. Voilà. Nice. Et lui, je le remettrai à sa place quand il faudra, tu sais. Impeccable. Alors, attends. On va y arriver. Change de musique. Je me mets un peu plus calme dans les oreilles. Hein, parce que ça, c'est trop énervé pour moi. Hop. Et on va se lancer. Les phares sont allumés. Ouais, Edith Piaf, ouais. Viens. Rien de rien. Non. On livrera jamais. C'est la merde. Mais on sort bien. On a niqué les sous. Mais c'est pas grave parce qu'on a plein de roues. C'était pour la rime, hein. Désolé. Il y a un remix de cette chanson qui est pas très soft. Ouais, je sais. Bien. Je te prendrai bien. Et je dirai pas la suite parce qu'il y aurait encore des mineurs, je pense. J'ai bois un café à ton honneur, eh ben merci. Bois-en deux, s'il te plaît, ça me réveillera peut-être. Un quatrième pour moi. Voilà, nickel.
Ça on va y arriver. Ça sera impeccable, tiens. Bon, en fait, je roule un tracteur avec le derrick, quoi. Pas de braquage, lent. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un tracteur. Le derrick, le canwars. Le canwars. Oui, allez, vas-y, retourne la smila qu'on rigole 5 minutes là. C'est abusé le braquage. Bah, le braquage, c'est vrai qu'il est un peu long. Après, c'est un 3 places aussi, hein. Qu'on peut pas, on peut pas le cracher dessus, quoi, là-dessus. Il y a que 2 roues direct CL, hein, donc forcément. Ouais, carrément. Que 2 roues direct CL, c'est. Logique. Bon. Est-ce que le 3ème essai sera le bon? Ah, bien sûr, j'ai planté la remorque dans les cailloux. Tu vas monter. Voilà. Alors, vous m'expliquez pourquoi le Western monte mieux que le Mac quand même, tu sais? Faut vraiment m'expliquer, quoi. Ah, par contre, il va se coucher, ce bâtard. Te couche pas. Hein. Fais pas le con, on a pas le temps là. C'est bon, on a perdu assez de temps pour la soirée là. Donc, cac café, on se calme un peu, Patoche. Hein. Oh putain. Je suis déjà à une demi-cafetière depuis ce matin. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça va pas t'aider. Bonne nuit, Nux. Ciao. Des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Trois essieux n'est pas toujours bon. Ouais, non, carrément. Bah, on le voit avec le Mac, hein, sur SnowRunner, tout ce qui est 3 essieux, du moment que tu touches en bas, c'est fini, quoi. C'est la mort assurée, quoi. C'est pour ça que, franchement, à part celui-là qui est bien en petit tireur, mais c'est pareil, il a pas de pneus boue, quoi. Il a que des pneus... tout terrain, quoi. Enfin, hors piste. Ça fait chier, quoi. Les meilleurs camions, ils ont que des pneus hors piste, quoi. Parce que je voudrais exactement le même en pneus boue. Tu vois, je serais content. Châssis court, en pneu boue, ça peut être intéressant, quoi. Parce que là, je vais galérer jusqu'en haut avec celui-là, quand même, un minimum. Hein. Ça va y aller, hein, mais parce que je suis déjà passé avec 2 poutres en ferraille, donc je pense pas que c'est le gros tuyau qui va me gêner. Mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est vraiment dommage. En plus, j'ai fait les ornières avec le canoir tout à l'heure. J'aurais dû reset la partie, en fait. J'aurais pu les ornières. Allez, roule. Roule, petit bonhomme. On va te mettre puissance plus. Non, c'est vrai que le Western Star, celui-là, il est pas dégueu en camion, quoi. C'est pareil, DLC. Petit DLC, je crois que c'est la saison 4, celui-là. Saison 4 de Snow. Mais le Mac, ouais, je sais pas comment le placer, le Mac. Il faudra que j'essaye de l'équiper pneu boue et essayer de dire que je l'emmène en camion de maintenance. Peut-être que ça sera un bon camion de maintenance, quoi. Peut-être. Voilà. Ça, il faut que je lui trouve une utilité. Je l'aime bien. Il est joli comme camion. Moi, j'aime bien trouver une utilité à des camions qui sont pas trop fonctionnels, mais qui peuvent être intéressants quand même, tu vois. Décoration, c'est pas mal, non? Ouais, déco, non. Je suis pas trop camion déco, moi. J'aime pas trop garder des camions juste pour la déco. Les exposer. Ou sinon, on le laissera sur cette carte. Il y a quelques-uns qui dorment sur Michigan, là. Voilà, j'aurais rapatrié. Oh non. C'est la soirée, quoi. C'est pas possible. Oh merde. C'est la soirée, quoi. C'est la soirée qui veut ça, quoi. Putain. Ah, je peux peut-être me dépanner. Ah bah non, j'ai pas de grue. Je vais pas pouvoir me dépanner. Je vais le redresser, mais je remettrai jamais le truc, quoi. D'habitude, je me rattrape. Mais là, je me rattrape pas. C'est une soirée de merde. Au pays enchanté. Ta la 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 la. Ta la ta da. Voilà. Bon bah nice. On a plus qu'à aller dans le garage. Ah bah oui. Bah oui, j'ai pas de grue. J'ai pas capté en fait. Canoir, ça avance bien. C'est sur la mission. C'est cool. Je suis quasiment là. Il est là. Le Zig, je suis un peu loin pour aller chercher le Zig. Non, ce sera mieux de prendre un camion au garage, mais je crois que j'ai plus de camion au garage. Est-ce que j'ai un camion qui traîne? Non, j'ai pas de camion qui traîne en plus au garage. Putain, je vais être obligé d'aller chercher le Z. La Zov, je l'ai foutu à poil, donc il n'y a plus de carburant. Je peux pas rouler même ne serait-ce que 10 secondes avec. Le 4, il est où? Oh, bah, il est carrément le 4, à la deuxième. Il est à la station. Mais il manque un peu. On va prendre le Zig, hein. Hop là.
Elle lui manque un pneu. Ouais. Ah, oui. Salut Mike Laurie, comment tu vas? Est-ce que c'est la forme? Ça pardonne pas hein, quand tu tapes la rambarde. Ah bah là, ouais. Tu traverses le pneu. Là, ça pardonne pas du tout. Allez, promenons-nous. Pas grave, on va refaire le plein, on aura la grue déjà dessus. Avec cette grue de merde, il va peut-être réussir à me porter quand même le... À me porter quand même le... Les troncs. Là, je rigole que le long tronc, il va pas, tu sais. Ouais, mais là, c'est-à-dire c'est la partie qui est buggée, quoi. Comment ça, remorque trop loin, là. C'est incroyable, quand même, que ce soir, on n'a pas de chance, quoi. Je suis couché deux fois ce soir. Trois. Ah ouais? Et 4 si on compte le western de la semaine dernière. Ouais! 80 fois depuis que j'ai commencé à jouer, t'sais. En rétrograde ou passe la vitesse, mais je sais pas, fais quelque chose, avance. Ouais, 3 fois ce soir, putain. Non, mais c'est le problème de, quand tu commences à t'énerver. Sur SnowRunner, il faut pas s'énerver. Problème quand tu commences à t'énerver, tu vois, tu t'agaces. Putain, j'ai passé une bonne journée, j'étais content, même si j'ai pas pu filmer aujourd'hui parce que c'était à l'arrêt. J'étais plutôt content de renouveler mon petit contrat à l'année là chez l'agriculteur pour filmer. Franchement, j'étais content, je partais dans une bonne joie pour SnowRunner. Je m'attendais pas à être emmerdé avec une remorque qui veuille pas passer nulle part. Putain, mais lui, il hurle là comme camion. Putain. Puis là, je vais repayer un plein d'essence, ça va servir à rien du coup. Ok, une fois que j'arrive là, après, normalement c'est un peu plus simple. La balle de réparation, aller. C'est bon. Kit d'entretien, c'est bon. 500. Hop. Ouais. Pense à ce qu'ils aident, ça va t'aider. Ouais, alors non. Ça va pas m'aider. Je suis pas sûr que ça m'aide à me calmer. Hein. Ce qu'ils aident. Et 2-3. Ça va, Lambella? T'as du TikTok du coup, hein? T'as de quoi faire? Tu vas faire un temps fort complet avec les 3 chutes de la soirée, c'est ça? Quand la soirée tourne en drama. Un schizo, alors, tous les mercredis soirs, okay, en direct sur Twitch. Mais alors, oh là là, j'ai l'impression d'avoir un paquebot. Ah, c'est un paquebot. Hein. Ah, il est énormément puissant, mais c'est un paquebot. Ouais. Bah, c'est un peu comme le mien que j'ai là. Hein. C'est pareil. C'est pareil, là, je vais pas prendre de. Tu sais quoi, qui tournait. Hein. On est dans les dépenses. Hein. On va dépenser. Hein. Je vais vérifier la gueule des pneus. Je vais vérifier la puissance du moteur. Je vais faire le moteur. On a le gros moteur, boîte, on est en spécial avancé. Ça va mieux au fait en spécial avancé, de ton côté? Écoute, ouais, ça va. Pour le moment, moi, ça va. C'est juste... Le gros problème, c'est vraiment le rayon de braquage, en fait. Déjà que je dois prendre large avec cette remorque, mais alors là, c'est encore pire. Ah si, on est... Parce que du coup, tu sais, j'ai... L'attelage, il est au cul. Ouais. Donc j'ai toute la longueur du camion à mettre en plus. D'accord. Ouais, donc gros bordel, quoi. Ouais, bah, faut y aller tranquillou, petit loup. Ouais, pas pressé, hein. Tout c'est d'arriver. Hein. Tu m'étonnes. J'aimerais bien la ramener quand même cette remorque. Rue lourde pour les hauteurs extrêmes. Rue lourde. Je crois pas que ça marche pas. Là. Qu'est-ce que je prends? Je prends une citerne, on sait jamais. Hein. Le gars, tu sais, qui est dépité. T'en es marre? Bah non, je vais garder la grue. De toute façon, il faut lever les tuyaux. Hop là. Ok. Allez, on va retourner dans la nuit en plus, ça va être impeccable. Ah, pour rouler. Pour dépanner, c'est pas mal. Hop là. Oh, fumer. Je suis désolé, je fume, hein, les enfants. Mais... Il y a des soirées. Hein, comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et encore heureux, on n'est pas aussi nombreux que d'habitude. Hein. Imagine. Tu te votes comme ça, là, toute la soirée, là. 90 fois. Devant 90, 100 personnes. Oh, la honte, il sait pas jouer à ce long runner. T'es nul. A plus, Chris. Tchou-tchou, des bisous. Ça, je les invite à venir. Vivement que le PTS se transforme en serveur, vous viendrez nous filer un coup de main. Parce que, du coup, au train où on arrive, on finira pas la carte ce soir, ça, c'est sûr. Mais en plus... De quoi, je veux rien. J'arrive même pas à passer le premier pont. Avec le Kenworth, t'arrives pas à passer le premier pont? En fait, c'est pas qu'il bloque, c'est que le rayon de braquage est tel que j'arrive pas à aligner la remorque sur le petit pont en bois. Non.
aussi. Même en prenant au plus large que tu peux. Ouais, ça fait 5 fois que je recommence là. Waouh, on va jouer à deux camions, c'est ça? On va prendre le derry et le machin pour arriver. Ça va être des bêtises. Et finir à l'eau. Pour vouloir jouer avec la bordure. Bon allez, passe la première là, s'il te plaît là. Voilà, merci. Arrête d'être con toi. Seconde. C'est con ça, je vois pas grand chose hein. Pas là avec la hache non plus. Bah essaye de forcer, essaye de le tirer, au treuil, je sais pas. Eh mais j'ai aucun point d'accroche sur la droite. Ah putain. Et si t'essayes de te replacer en manœuvrant? C'est ce que je fais, là je suis au plus près que je peux avec le Ken Wars. Après je finis les roues d'en haut. Enfin le Ken Wars il passe dans la flotte. Ouais non mais il y a un plongeon d'amette à faire. Ah oui non, non bah non. La map a l'air complexe. Bah à premier abord comme ça elle a l'air assez simple. Sauf que t'as des points stratégiques piégeux en fait. Donc ça passe pas partout correctement quoi. Vraiment. Donc limite elle est dure comme ouais. Ça serré. Il faudrait le derry pour manœuvrer. Et pour les gros passages il faudrait le Ken Wars quoi. Ouais donc c'est ce que je te dis. Il faut que je ressorte le derry quoi. Là le bordel ouais, mais... Parce qu'il va deux camions et d'être les rappeler. Après, s'il n'y a pas le choix, tu me diras. Bah, t'as une autre solution? Là, tout de suite, non. Non, bah, moi non plus. Comment te dire que. Moi non plus, j'ai pas d'autre solution. Tu me laisses remettre mon gros tuyau sur ma remorque et je te sors le derry. Bah, non, je vais te le sortir là, du coup. Attends. Je vais voir s'il arrive à. Non. La map a des points bien piégeux, surtout la première en fait. La deuxième est un peu plus tranquillou. Mais la première est vraiment casse-couille quoi. Vraiment. Quitter le garage. Comme t'as pas de gasoil. Ça sera obligé de refaire le plein sur la route quoi. Pas grand chose en gasoil quoi. Là j'ai sorti le derry. Merde, j'avais le zig. Sans foutre le camion en l'air. Allez, zou. Après, si tu veux, t'as des endroits où ça roule bien quand t'as débloqué les ponts et tout, ça roule super bien. Puis t'as d'autres endroits où t'as envie de mourir, quoi. T'as vraiment envie de mourir. Il y a combien le Ken Wars? De quoi? Il a combien Ken Wars de quoi? J'y tiens beaucoup. Ah oui, j'y tiens beaucoup, oui, il coûte cher, ce bâtard en rapatriement, je crois que c'est 22 000. Enfin, c'est un des plus chers camions qu'on peut ramener. De la chance. Ah non, tu me le coule pas. Hein. Schizophab, 4 sous sur SnowRunner, c'est Alt F4 en 5 minutes. Oh, oh bah là, t'imagines même pas. La 4 sous, là-dessus, là. Beaucoup de patience. Ouais, mais t'es sérieux, là, qu'est-ce que tu me fais, toi? Bah là, je vais devenir fou. C'est la soirée, c'est pas possible, on a un bug sur la carte, quoi. Le mastodonte qui monte pas, là. Tu te fous de ma gueule, là. C'est quoi, c'est un caillou de merde là qui me gêne encore? Je suis en double moteur. Eh oh, oh, tu vas monter. Eh, je suis en L basse quoi, tu vas pas me dire que je monte pas là. C'est quoi ton délire? Je suis à 10 cm du truc, j'arrive pas à monter quoi. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi qui me gêne là? Je suis en blocage diff là, j'ai tout. J'ai le gros treuil et tout. Non, mais il y a un bug, c'est pas possible. La partie, elle a bugué, là. C'est quoi ce bordel, là? C'est les cieux qui bloquent? Non, même pas, il y a rien qui touche. Et les trucs, je comprends pas, là. Oh, t'es sérieux, quoi. Il manquait juste de la force, en fait. Juste un peu de puissance. Oh, la soirée de merde! Oh, mon Dieu! Ah, c'est une soirée que vous adorez, ça. Quand je commence à galérer comme ça, hein, vous kiffez, hein. Comme ça. Hein, dites-le. Ce qu'ils ont, on a de voir, te voir galérer. On adore quand tu te retournes la gueule à fond. C'est ça. Ça, j'aime pas trop ça, moi. J'aime bien les journées qui se passent correctement, calme. J'étais plutôt calme, j'étais bien. Principe du jeu. Ouais, j'avoue. Bon, après, le principe du jeu, c'est pas de te coucher non plus. Les 30 secondes ou galérer sur un caillou quoi.
Après, sur cette map, les cailloux, ils sont vraiment méchants, quoi. Ouais, carrément. Carrément qu'ils sont méchants. Ils sont même trop méchants, je trouve. C'est des vilains. C'est des vilains. On devrait les punir pour leur méchanceté. Ah oh bah j'ai plus mon... Merci Torgalis King pour avoir sub Néo. Merci beaucoup. Ça va lui faire plaisir à Néo. Néo hésite pas à dire merci. Voilà, il l'a fait. Merci beaucoup. Ouais, il l'a fait. Bien ça. C'est bien. J'ai des viewers respectueux, c'est tranquillou. Tranquille. Hop là. Ah quand même, avec les heures de jeu qu'on a sur Snow, quand même, merde, je mérite quand même un peu de compréhension. Ça devrait fonctionner beaucoup mieux que ça, je trouve. Je trouve que là, on est vraiment... On a été violé ce soir par la carte, je crois. Ça a été... C'était honteux. Je pense. Non, qu'est-ce que t'en penses? Une soirée à 150 000, alors que d'habitude, on gagne de l'argent, là, on en perd. Ouais. J'avoue que c'est chaud. Oh, merci pour le Prime, 5e mois d'abo, merci énormément. Merci les gars pour le soutien, merci, ça fait plaisir. J'ai fait avec le Derry du coup le chemin inverse là. Ouais. Pour voir, ça va être... Ouais, c'est pour ça que je t'ai filé le canoir sans atlajo. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'il y a des endroits où tu passes partout. Bah, le problème c'est qu'en fait c'est que des petits ponts. Bah ouais, c'est on ça va le voir truc. Ils arrivent avec le Derry. Et hop là, un train de lab qui démarre. Merci pour le 15e mois du Prime. Mon quai, merci beaucoup. Bienvenue au démarrage du train. Tchou. Je suis sur le tel. Merci énormément. Ça fait plaisir. Dans cette soirée de galère, au moins il me remonte un peu le moral. Il y a des petits primes qui tombent, il y a des petits subs. Une journée à 10 euros quoi. C'est pas mal. Ça serait la partie la plus difficile là où j'arrive. Yep là. Enfin, c'est ça, faut faire une reco du terrain pour savoir. Tu fais une reco du terrain pour arriver à voir si tu passerais ou pas, tu sais. Mais là, c'est si on passe pas à cause des arbres, on pourrait passer dans les cailloux. Ouais, mais avec. Oh là. Il y a les gars de Satisfactory qui viennent me voir dans le live et ils disent chef, on a plus de jus. Tu fais comme moi, tu galères et tu te démerdes. tu peux agrandir mon usine si tu veux. Je verrai ça demain soir quand on sera en live, tu sais. J'aurai pas le temps de passer demain dans la journée, j'ai tellement de trucs à faire. Ah, ça va être chaud. Donc demain soir on est en live sur Kick et YouTube. Donc point d'exclamation Kick dans le chat si vous voulez, ou dans la description pour la rediff YouTube. N'hésitez pas à nous venir, on est sur Satisfactory le mardi, le jeudi. Et puis on sera sur plein d'autres jeux aussi sur Kick, sur tout ce que je fais pas sur Twitch, parce que Twitch on a déjà un petit calendrier bien défini. Est-ce que je roule sur la bonne route là? Oui. Du coup j'arrive plus à placer mes streams correctement. Donc je les place un peu avec YouTube et Kick. Ça m'évite de faire trop de rediff. Et vu que je fais YouTube Kick en simultané, bah ça permet tout simplement d'avoir la rediff tout de suite. Disponible. Gratuitement, sans problème. Merde, c'est vrai, putain, y'a plus de licence. Puis le petit sub chez Kick, c'est de la redistribution totale pour les créateurs. Donc comment te dire que si tu fais 5 euros de sub sur Kick, bah c'est comme si tu m'avais fait 5 euros de don. Et c'est pareil. Donc voilà, c'est rentable. Et ça paye les vlogs agricoles quand il faut que je me déplace, l'essence, le monteur vidéo qui va monter les vidéos agricoles, le mec qui va faire les miniatures. Ça paye tout le monde. Ça soutient énormément la chaîne. Faites-vous plaisir. Et bah moi je te dis, si ça va pas si spawn, on est quand même pas arrivé. Ouais, ça va encore merder. C'est bien. Bah, là, tu m'encourages là. Il y a énormément de cailloux. Énormément de cailloux. Ouais, alors vu qu'il est haut. Bah le Ken Wars va passer dans les cailloux. Il y a peut-être moyen qu'avec le Ken Wars on arrive. Si j'arrive avec le Derry à passer ce petit pont là. Y'a moyen que le Ken Wars s'y passe. Mais ça va être. Bah écoute, de toute façon, dans 10 secondes, je pose la remorque, je coupe l'épisode YouTube, j'en redémarre un autre et on essaye de finir cette putain de remorque qu'on aura passé toute la soirée et essayer de faire. C'est vrai. Je jure qu'on a fait toute la soirée dessus là. On a commencé par ça, je suis venu te dépanner, on l'a coulé dans le. On l'a niqué dans le truc là-haut. Putain, on a vraiment pas eu de chance.
Après, on l'a bloqué dans le poteau. Là, je viens ouais, de débloquer l'argent. 14 800. Ça rembourse même pas le rapatriement d'un camion que j'ai fait tout à l'heure. C'est ça. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je m'aime. Je vous aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment. Wow, bien, c'est bien. Ah, vu ta congé quasiment. Ouais, je révise parce que YouTube il critique parce que des fois je fais des fautes d'orthographe parce que ça arrive, l'erreur est humaine, tu vois. Je me fais pourrir en commentaire à chaque fois que j'en fais. Ce qui arrive assez régulièrement parce que je suis mauvais. Donc c'est pour ça que je fais de la révision maintenant en live. Je me dis que ce serait pas dégueulasse. Le culotté, c'est que eux-mêmes te répondent en faisant les fautes d'orthographe. C'est ça.